C'est l'invité surprise de la liste de Didier Dinard. Cette semaine à la maison du handball de Créteil, au milieu des Karabatic, Abalo, Guigou & Co, le gardien Robin Cantegrel fait son entrée dans la quatrième dimension. C'est vrai que c'est un peu intimidant au début, hein, quand on intègre un groupe comme ça, qui a tout gagné avec des joueurs références, je vais pas vous dire que je suis arrivé tranquille. Le quotidien de Robin est pourtant très loin des bleus, car le jeune gardien n'évolue pas à Montpellier ou au PSG, mais à Pontault-Combault, dernier de première division. Et pourtant, depuis le début de la saison, le nouvel appelé chez les Bleus réalise des prouesses dans les cages du petit club de la Seine-et-Marne. Avec plus de 31% de réussite, c'est tout simplement le troisième meilleur gardien du championnat, malgré la plus mauvaise défense de Star League. C'est vrai que voilà, on a une défense un peu plus fébrile que la défense du PSG, je vous l'accorde. Mais on essaie de faire ce qu'on peut avec nos moyens. Oui, Robin, oui, il se prend pas mal de scuds. Hein. Il y a des matchs où je vais avoir 30 tirs, d'autres 50. Bon, voilà. Je pense que il va grandir très très rapidement. Voilà, il est voué à une belle et grande carrière. Yes. Et qu'on se le dise, la réputation de ce jeune gardien de 24 ans pour 1m93 l'a précédé chez les Bleus. Ceux qui connaissent un peu le handball voient que grâce à lui, Ponto est capable de faire de belles choses aussi, que depuis le début de l'année, il a de belles stats, il tient quand même l'équipe à lui tout seul pratiquement parfois. Tout le monde a commencé un jour et aujourd'hui il fait ses débuts en équipe de France et je pense qu'il a les moyens de pouvoir s'exprimer. Robin Cantegrel a désormais deux matchs pour rendre à Didier Dinard la confiance accordée ce soir et dimanche face au Portugal. Pour le jeune gardien de Pontault-Combault, on touche du bois.